m'inspire l'esclavage, j'ai eu l'occasion de l'intérioriser lors de ma visite à l'île de Gorée. Après cette visite qui m'a énormément marqué, j'ai eu deux sentiments. Le premier, c'était un sentiment de révolte. Parce que je ne pouvais pas comprendre que des êtres humains puissent à ce point humilier et maltraiter d'autres êtres humains. Le second sentiment était celui de fierté, fierté d'être noir, fierté d'être africain. Parce que pendant 6 siècles, notre peuple a été vidé de sa substance. Les meilleurs d'entre nous ont été enlevés et ont été emportés pour aller travailler, faire des travaux forcés. Et malgré ces 6 siècles de vidange de notre substance, le peuple noir, le peuple africain est resté debout. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu encore 1 siècle de plus d'esclavage, mais qui avait un autre nom, on a appelé la colonisation. C'était aussi une façon d'avilir la race noire, le peuple noir. Et malgré tout cela, nous sommes restés debout. L'Afrique existe, les Africains qui sont partis dans la diaspora existent. Je crois que c'est le moment d'établir des ponts. Voilà pourquoi cette initiative, chers frères, chers présidents, c'est une initiative dans laquelle je m'inscris et j'inscris mon pays. Je voudrais désormais contribuer à l'avancement de ces réflexions, de ces initiatives, pour continuer ce combat. La seconde chose que je recommanderais, c'est d'enseigner à nos enfants, et vous avez parlé ici de l'avenir, de ceux pour qui nous serons des ancêtres, c'est de leur enseigner évidemment l'histoire, parce que beaucoup ne la connaissent pas. Et pourquoi pas organiser des voyages scolaires sur les lieux, comme l'île de Gorée, Zanzibar et bien d'autres, où le peuple noir a été humilié, mais a quand même écrit ses lettres de noblesse, parce qu'il y a ce complexe qui existe dans beaucoup de nos frères et sœurs noirs qui pensent que ce sont des êtres inférieurs vis-à-vis des autres races, alors que ce n'est pas le cas. 2019 est une année lourde de symboles. Elle coïncide aussi, notamment, avec le 100e anniversaire du premier congrès panafricain, précisément le 19 février 1919, congrès qui marqua le point de départ de la marche vers la création de l'organisation de l'Union africaine. Toujours en 2019, l'Afrique va célébrer le 20e anniversaire de la déclaration des CIRT qui avait jeté les bases de la transformation de l'OUA en Union africaine. Volée rencontre du chef de l'État avec ses pairs, dirigeants africains. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec son homologue de l'Ouganda, Yoweri Museveni, ainsi qu'il l'avait annoncé dans son discours d'investiture. La rencontre du chef de l'État avec son homologue ougandais a planché sur des questions liées au rapport de bon voisinage et des coopérations bilatérales franches entre Kinshasa et Kampala. Membre actif de la plateforme Lamouka, le vaillant combattant résistant, l'un des premiers instigateurs du combat à Paris, qui n'est d'autre que Piero Itela, sera mon invité ce samedi 16 février 2019 dans Rendez-vous avec le Patriote. Très chers compatriotes, samedi Oyo Nazali en direct na radio, Ngai Piero Itela, membre ya Lamouka, Tolobi Boye, Toko Ika Likambo Yote, Toke Naroti na Souka. Il faut vérité des îles Eyebana. Qui a gagné des élections présidentielles en 2019? Alors, Nazako Senganabatu, au Bazali, Pon Lamuka, Mukota et Bele,
expliquer que nous, la stratégie nous remettre en place. Tourbi et Zala, attendons la bâtiment reprenne partout, puisque pour la surprise à temps que l'on côté. Bidonio Sotou Bolandi Oyo Piero Itela Alobi Azali, membre actif ya Lamuka, ya Martin Fayulu, Alobi Bako Tika Masolo Oya Vérité des Urnete. Bako Mema Yango Tinasuka, Bako Mema Président Eli Félix Tshisekedi Tinasuka. Tolobi, l'état de droit, Tolobi, Vérité Samana Mbokawana, Oya Zaki, Eli, Président de la République, Yali, Martin Fayulu Matiti. Alors, on a bien dit tout samedi, pour expliquer que nous pas stratégie à l'amouka, ni tout le monde à la campagne. La canette, chers auditeurs, internautes, Bino Kasi Bolobi Nini. Réaction à Bino Tozali Kozilayango en direct ce samedi 16 février 2019 de 14h à 16h sur la 99.7 FM.